Hello les petits amis, Hellfest toujours sous le cagnard, on est les bagnards des forçats du métal et ils sont juste derrière moi, ils viennent d'arriver en hélicoptère, ils viennent de Paris, hein, ça rigole pas, except one avec l'unique et la magnifique derrière moi, ils vont faire les présentations. Salut les amis. Salut, ça va? Carrément ça va quand je vois les artistes comme ça. Mais regarde-moi dans les yeux, poupée. Est-ce que je veux... les yeux. Tu nous fais les présentations? Allez. Nous c'est Except One, Junior, lead guitare, ah ouais, ouais. Nati, Patrick, et moi je suis Estelle, je suis la chanteuse. Eh, Estelle Except One, je peux vous dire qu'en plus, elle s'est occupée de la pochette et ma première question c'est en forme de peau de baleine. Pourquoi Falen y a à l'envers? Tout le monde m'a demandé ça, ils m'ont dit Marcus si tu vois Except One, mais pourquoi? Pourquoi? C'est pour signifier la chute. Fallen. D'accord, et tout l'album est comme ça, tu oscilles entre les métaphores et t'envoies des signaux comme ça? J'envoie des signaux de fumée. Là t'écris tous les textes? Ouais. 100% par toi? 100%. Il n'y a pas d'entourloupe, hein? Il n'y en a aucune. Bon, et comment vous gérez le fait de faire du métal comme ça entre le côté technique et le côté chanson? Le piège. Ah ben je vais les laisser réfléchir. On se revoit dans un petit quart d'heure. Parce que, ah sérieux. Le côté technique des chansons. C'est-à-dire c'est les trips qui viennent avant, tu vois tous les plans qui viennent avant ou t'as déjà une idée de mélodie de chant ou une thématique avec un texte qui vient, comment ça se passe? C'est 50-50, c'est soit on a le texte. Oui pas. Non, c'est soit on a le texte et on digère le texte, on apprend le texte et du coup on crée quelque chose par rapport à ça. Soit en fait on passe énormément de temps ensemble, on fait des résidences, on part en week-end, tout ça. Vous allez dans des résidences? Ils s'emmerdent pas, ils font des résidences. On passe à la mer. Toujours important. Non, sinon ouais, on passe énormément de temps ensemble et le fait de se connaître, de jouer, de jammer, etc. Ça donne des morceaux. Il y a l'osmose et ça vient petit à petit comme ça. Les principaux thèmes abordés dans cet album Falen, c'est quoi? À toi, vas-y. Il se mouille toujours pas. Majoritairement, c'est... Ça va? Ah, carrément. Allez. Majoritairement, c'est mon point de vue sur la société actuelle. Ouais. Sur l'humanité en général. Ouais, ça c'est ça. Il doit y avoir des trucs à dire sur l'humanité en général. Parce que moi, je suis pas un humain, mais je vous vois. Et voilà. Je pense que je peux encore faire une vingtaine d'albums sur le sujet, quoi. J'ai vraiment de la marge. Et après c'est des trucs plus personnels, parce que je fais de la musique, du coup c'est un petit peu ma thérapie, ma catharsis. Tu envoies donc des choses qui viennent de toi, tu partages tout ça, tes émotions. Ouais. On n'est pas dans la rigolade, là il y a de l'inspiration qui vient. Est-ce qu'il y a des projets là pour la rentrée? Des concerts ou pas? Bien évidemment, des concerts. Que je croyais qu'il dormait parce que dimanche, c'est pas facile après le café. Oui, le café, évidemment. Il y aura plein de concerts qui se profilent. Pas mal, ouais. Ok, ça marche. Sur scène, vous êtes comment? Vous arrivez, ça bille en tête, énervé, ou alors ça progresse, le show, il est construit comment? Alors, on arrive bille en tête, énervé, et ça progresse quand même. Ah, vous n'êtes pas là pour envoyer de la pastille Valda, quoi. On n'est pas là pour faire du tricot, non. Ça tricote pas des masses. Les principales influences au niveau chant, c'est quoi? Au niveau du chant, moi, ça va être plus Nergal de Behemoth, Max Cavalera. De Behemoth. De Behemoth, tout à fait. Qui encore de Behemoth parce qu'il y en a. Bah, arrêtez de déconner, on sait très bien que Max Cavalera, c'est la Rolling Stone. Arrêtez de m'emmerder, à la caméra, ils me font des grands signes. Non, je pensais que c'était Aerosmith. Dans les groupes comme ça, les principales influences, vous allez puiser ça où? Behemoth aussi, ou il y a d'autres trucs qui vous viennent à l'esprit comme ça? Il y a beaucoup de Slipknot, il y a tout ce qui serait par rapport à Whitechapel, du hardcore, beaucoup de hardcore, c'est Artist Murder. Ouais. Pour les plus récents, Gojira, pour le côté planant, aérer les morceaux. Ok. Et toi? Ah, la batterie, il y a plusieurs choses, surtout Metalcore, j'aime beaucoup. Metalcore? Ouais, tout à fait. Et tu te prépares comment là dans ce petit corps pour faire du metalcore à la batterie? Sois sérieux. Je fais quelques petites pompes avant de monter sur scène et ça ira. Il envoie sa race quand il joue ou pas? Franchement. Ouais. Il fait un peu chaud derrière les feux. Tu vibres le sol. Tu valides? Tu valides ça? Validez s'il vous plaît. Bon, est-ce qu'on peut attendre derrière Falen? Il y a déjà des compos qui se profilent ou pas? Oui. Ça, toujours vous êtes sur le qui vive? Toujours prêt, nouveau guitariste, nouvelles influences, on se connaît encore mieux, il y a des gros concerts.
sur Nantes peut-être en fin d'année. Ouais. Ça nous motive. Il va y avoir des nouvelles. Bon, dis-moi le nom du fest là, parce que c'est quoi déjà ? Nantes Metal Fest. Nantes Metal. Mais on les connaît, le Nantes Metal Fest. Hein. Ah, et il y a du beau linge là-bas et avec une affiche. C'est un peu que du velours et des potes qui vont jouer. Hein. Les betteravines, tout ça. Enfin, ça va envoyer de la cacahuète dans. Ah là, c'est du papier sulfurisé là qu'il faut. Je veux dire, on va monter en température. Et à l'étranger, vous avez des plans, des connexions ou pas ? On essaye. C'est compliqué. Hein. Prendre le français, de sortir. Ah, ça y est, même l'affaire à l'envers. Eh oui, donner de l'argent pour Accept One, pour un autre français. Là, mais... Vous allez avoir des connexions, tu dis oui Marcus, je vais avoir des connexions. Oui Marcus, nous avons des connexions. Bon, je compte sur vous. Tout à fait. Bon, vous avez un message pour les gens qui vous suivent à la cam là. C'est le moment. Vas-y. Allez. Bah, alors déjà, si vous connaissez pas, écoutez. Si vous connaissez, partagez. Partagez. Parce que bah, sans vous, on n'est absolument rien. Et puis venez nous voir en concert. Et après les concerts, venez descendre une binouze, discuter. Voilà. Et supportez les gros français, soyez des activistes du métal. Soyez engagés, restez pas devant Spotify, on en a rien à foutre. Et puis on touche à rien de toute façon avec Spotify. Exactement. Bon les amis, il y a une tradition dans le show, faut absolument qu'on gueule rock and roll. Mais là je pense qu'on va faire un gros des familles. Ah bah oui. Qui c'est qui me donne le décompte? Je sais pas s'il y a un batteur qui est réveillé à cette heure là à côté de moi. Approche-toi mon chéri, viens près de moi. Tu me donnes le décompte et on envoie sa race. Approche-toi. 1, 2, 3, 4. Rock'n'roll! Ils sont malades, ils sont complètement malades, je sais pas. Allez, coupe. Je vais aller voir ça de près parce que le truc à l'envers, il est un gros comme ça pour une si jolie personne, j'arrive pas à comprendre. Bye bye les amis! Salut. Ciao! Petit enculé.